compliquée. Jean-Pierre Loeb, il tournait un petit peu chez Le Jeune. Mais qui c'est qui dirigeait le groupe Le Jeune? Oui. Alors le groupe Le Jeune, ils ont monté une équipe professionnelle, bien sûr. Et ils ont été chercher un baltringue, mais un baltringue, qui était champion du monde sur piste. Comment il s'appelait? Roy Schuiten. D'accord. Et ils l'ont mis donc leader de l'équipe chez Bébé Le Jeune. Mais comment veux-tu qu'un mec qui est champion du monde sur piste soit leader d'une équipe sur du fond, sur Paris-Nice, sur Tour de France, sur... Tu comprends? Ouais. Il avait que de la vitesse, ce mec-là. Oh ben, ils se sont fait sortir, hein. On dégage. Hein. On n'est pas là pour enfiler des perles. Allez hop, il a dégagé. S'ils avaient mis, à l'époque, un bon rouleur, pourquoi pas cette équipe n'aurait pas été comme aujourd'hui, comment tu l'as, la Quickstep ou comment l'équipe Aviron ou ce que tu veux, quoi, on s'en tape. C'était un baltringue. Armstrong, il va tous vous mettre dans le cul. Parce que je vais vous dire ce qui va se passer. D'accord? Il a signé un contrat. Et au dernier moment, il va faire forfait au Tour de France. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Alors, il va faire quelques critériums. Il va se préparer pour le Tour de France. Et au dernier moment, il va être non partant. Parce que son image de marque, il ne peut pas la retirer. Parce que s'il loupe le Tour de France, il est mort. Comprends? C'est une question de business. T'as mes gagnants là? Ouais, c'est bon. Je t'ai gagné. T'as mes gagnants. Sous 15 jours, ils gagnent. Attention, hein. Il faut que tu fasses un truc en disant attention, à la vanne, aujourd'hui, vous avez deux gagnants. À Cannes et à Pau. Et ça, il faut que tu fasses voir ça. Un mec qui pique dès que tu rentres. Ouais. Tu lui dis voilà. Voilà. Il y a un mec qui m'a dit voilà, pas l'endroit. Yannick Fertillé. D'accord? Corinne Barbe. Innsfield, il va gagner. Montez Erwan Chazelle ou Romain Feillu. Tu lui dis aux journalistes, ou Romain Feillu. Il vaudrait peut-être mieux qu'il soit monté par Chazelle quand même. Oui. Mais en remplacement, demande à Romain s'il peut le monter. D'accord, je vais lui demander. Il pose les mains, Romain. Il pose les mains. Il ferme les yeux. Et il va le toucher à 40 contre 1. C'est du... On appelle ça dans le métier du roux. Oh,